Donc je pense que ça va se remplir encore plus et puis on fera un bilan final. On espère atteindre en tout cas un minimum de 2000 personnes aujourd'hui et puis faire passer nos messages, vulgariser ce que c'est que le changement climatique, simplifier parce que souvent les gens pensent que c'est quelque chose de trop scientifique, trop technique. On veut vraiment montrer que c'est quelque chose qui est dans leur quotidien.